Bonjour et bienvenue à Disneyland Paris. Eh oui. Et prenez un an dans la gueule, je commence par Rock. Comme en 2013. Belle introduction, prenez un an dans la gueule. Du lunch, du lunch. C'est l'heure du lunch ou du lunch? Non, moi je mangerais bien là, surtout que j'aime pas le Soundtracker rouge et c'est lui qu'on veut. Ah. Et lui il a toujours bugué là, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, le verre est là. Mais pas encore aussi. Pas encore. Et il a un bruit de métro. RATP sur rail. Moi, je filme le bobo qui est bugué, là. Permis ou pas? Eh oui, j'ai mon permis. Ah ouais, non. Attends, je monte dans le sidecar. Allez. Vers l'infini et au-delà. Bah dis donc, ça manque de frais latéraux. Monte tes freins. Waouh. Et ça monte jusqu'à... Oh putain, 100. Que je vais plus vite avec ma voiture. Eh ouais, bon bah moi je suis arrivé à bon port, je descends. Pas de permis A, je pourrais même dire je n'ai plus de A sur ma voiture. Waouh, bravo, tu as franchi un cap. Oh non, Tram Tour est fermé. Oh, zut, quelle déception. On va faire dans ce parc alors. Mais oui. Oh, on pourra plus aller se brûler à Catastrophe Canyon. C'est mouillé aussi. C'est tellement triste, on pourra plus attendre 60 minutes parqués comme des bœufs. On a bien rocké, donc maintenant on va au bord de mer, se détendre, respirer l'iode. C'est ça. C'est important. Bon, des rochers bleus. On a respiré trop d'iode. Qui a vu des rochers bleus une fois en vrai en bord de mer? Des rochers noirs après America, oui. Les oui, bleus. Des rochers roses ou gris, ça passe, mais bleu? Ouais, non, je connais pas, non. Bah, c'est comme les méduses dans les plantes, hein. L'Imagineering de Disney qui fume des trucs bleus. Des champignons bleus, ça doit exister. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Merde, il y a des mouettes. Il en reste deux, ils en ont enfermé quelques-unes là-dedans. Ouais. Là, c'est les deux qui résistent. On va chercher ton plein. Ah, je l'ai pas. Parce qu'elles attaquent les canards, les mouettes à Disney. Oui, raison de plus. Sauf par des rochers bleus. Ah mais c'est pas possible, la mer est polluée, elle est verte à l'intérieur. Attention, voilà la CDA. Oh, ils sont ils vont racheter, ils vont racheter le parc. C'est bizarre quand même ceux de la CDA. Parce que rappelons que la CD. Non. Voilà. C'est bon, c'est bon. Ouh là là, c'est la première fois que je filme ce passage. Rappelons que la CDA c'est aussi la société qui gère plein de parcs comme le parc Astérix ou Walibi. Et une partie du Futuroscope. Et une partie du Futuroscope. Et heureusement qu'une partie. La première partie, c'est fait par le conseil. Tiens, je crois que les lights ne marchent plus. Ah oui, t'as raison. Un peu de lights. Moi qui s'est tout éteint. Je sais pas si je veux. Alors, ma machine préférée. Tiens, vas-y. Non. Caput. Oh non, capote, ça marche plus. Il y a des gobos, mais c'est pas la machine. C'est ça. Pas ça, non, ça vient non, pas en tout cas, c'est la machine. Bon,
Est-ce que quelqu'un pourrait nous réparer notre light controller? Mais c'est tout rose. Mais qu'est-ce qui se passe? Fantasyland. Comme promis, je l'avais dit sur les dédicaces à Fantasyland. Ce n'est plus tout rose, c'est un vitrail. Et ce n'est pas le seul, il y en a un sur la gauche. Et il y en a encore plein. Sur la droite. Et il y en a... Ah non, il n'y en a pas derrière, vraiment. Bon. Le château avec des arbres qui servent de piliers. Et du solide et des éclairages roses, bah, s'il y en a vraiment. Ah bah oui, mais là c'est le point. Hein. Et donc oui, c'est ici qu'il y aura une dédicace. C'est pour ça qu'on s'intéresse aux vitraux d'ailleurs. C'est pour les vitraux, les plafonds. Oui, alors combien y a-t-il de ballons au plafond? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas facile ça. Non, mais il y a plein de petits blasons, pinces, Ah oui, ils sont là, ça y est. Ils sont là. Et donc, simplement, la question est toute bête, c'est les deux symbolisent ces blasons. Tous? Ah oui, tous. Attends, y'en a combien au total? On en a beaucoup, hein, mais de toute façon, on s'en fout du nombre. Ah bon? Un certain nombre de blasons ont été faits dans ce château et ils ont tous été faits pour la même raison. Ah, c'est la même raison pour tous les blasons. Laquelle? Donc, bien sûr, celui qui trouve la réponse. Tu gagneras une dédicace dans le rail de son choix, sauf ceux qu'on a déjà dit. Sauf la Tote, sauf RC Racer, sauf Star Tour, parce que vraiment, je m'en fais pas. Et Tram Tour. Voilà. Donc voilà. Snuff. Snuff. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Oh, des rails. Oh là là. Il y a un pingouin. Ce sont des gros rails en plus. On voit bien que c'est du Vekoma. J'ai mon train. Allez, viens! Je marche plus vite que le train! Non, je vais pas tomber plus vite! Oh non, il m'a encore rattrapé! Oh, c'est tellement triste, elle ne marche plus! Bah oui, lampe cherche ampoule pour s'allumer ensemble! Eh oui, les lampes se cherchent entre elles. T'as plein d'ampoules en marque chez toi. Oui. T'as un mythique des ampoules, toi. C'est ça, elles se rencontrent, mais sauf que moi, elles sont lumineuses, donc... lumineuses, elles sont... Elles sont à LED, surtout. Sont, voilà, c'est des LED et colorées. Mais où sommes-nous? Nous allons prendre un train. Bah, c'est ce que tu disais dans ta FAQ, que t'allais prendre un train, et moi, j'allais dans la cuisine. Eh oui, bah, t'y es allé dans la cuisine? Oui. C'était sympa. On n'a pas pu filmer, malheureusement. Non. On aurait bien aimé, mais on n'a pas pu. Là, on est dans le train maintenant. Le train 3. C'est possible, c'est toi qui fais l'on-ride. Mais je l'ai fait déjà sur BTM. Oui, t'as déjà testé BTM. Maintenant, t'as fait ROK alors. C'est Boris. Oh. Il est là.
va tout faire sauter. Attention, ça va faire boum. Ça va faire boum. Tiens, Boris vient d'entendre une explosion. Et ça, ça fait boum. Ça a pas fait boum quand je me suis lancé. C'est un bizarre. Mais non, c'est un moustique. Oh non, c'est pas... Coucou Space. Et non, ne fais pas de voyage bonjour, spatial. On va faire un voyage musical light. Ouais. Là, on va avoir des trucs sur le côté. Et bye. Ah non, ah si, on a commencé à descendre par derrière. Attention, Snuff en vue. On a vu Snuff tout à l'heure en valeur. On va revoir de près. Snuff. Des tonneaux. Et bah oui, c'est pour ça que ça sent le gasoil. Eh oui, donc on va éviter de mettre le feu à ces tonneaux. Et oui, maintenant on va aller mettre le feu aussi de la base. Voilà. Willis, de descendre, bande de... On dirait qu'il va dire ça. Tiens, on revient à la même gare. Ils ont rajouté un train. Vous s'en verra bien. Votre barre de protection va s'abaisser. Après un embarquement chaotique, nous y sommes. Bouclier, baisse-toi. Ta-ta-ta. Allez, fais-moi un petit bonheur. Alors, ce truc fonctionne, ça va. Allez, c'est parti. C'est même pas ce que je trouve. Tiens, tiens, tiens. Non. Ça tourne. Allez, le carré vert. Où est mon laser en fait? Je sais pas. Il est là. Non, 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 oui. Allez, le losange. Dégage la pile. J'ai pas besoin de pile, je suis surchargé. Ah. Et, oh non, lui il est... Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, et puis, il marche aujourd'hui. Non. Alors, on va voir si les astuces vont nous servir. Il est lent là. Oui, il a ralenti. C'est pas ici le session stop. C'est pas là qu'il faut le faire. Alors, peut-être viser un peu en dessous du médaillon donc. Ouais. Là, si j'arrive à viser. Il n'y a rien eu. Non. Raté. Non. Non. Bien, bien. Attention. Ah, mais ça sert à rien ici, il n'y a rien. Il y a celle-là. Veuillez rester assis. À faire péter le score sur un rectangle. Oh là ! Qui c'est qui a utilisé le flash ? Attention Space Rangers, you've landed on planet Z. Be ready for anything. Attention, Ranger de l'espace. Oui, mon gros, oui, mon gros. Là. Là, 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 là. Voilà. Et maintenant, le triangle qui va sortir. Voilà. Un moustique.
je vise très mal. No one can stop me now. Green Planet is mine. And Star Command is next. Allez, ça là. Je veux celle-là, moi. Ah, ah, oui. Oui. En plus, j'adore le bruit que ça fait. Alors là. Allez, là, vous pouvez vous arrêter. C'est le moment de faire un stop. Où est mon laser? Ça va jamais marcher. Non. Bad. Aïe, oh là. Oh d'accord. Bad. Ils sont nombreux à nous accueillir, les petits aliens verts. Ah, Zurg alors! On dirait une usine en arrière-plan. Est-ce que. Bon, y a rien à faire là, on s'est arrêté dans un endroit tout pourri. Je monte mon score juste en appuyant sur la gâchette. Attention, attention. Ça aussi. Ça, on va gagner juste en faisant ça. Non, mon score est pourri. Bon, allez. Ouais, je mets le laser sur l'appareil. Ah. Bah oui. Ah, enfin. Enfin, enfin. Ah merde. À cet endroit-là. Mais où allons-nous avec cette fille? Il n'y a personne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends, ça se trouve, il y a. Il n'est pas encore 19h. Il y a le capitaine couteau à pain qui va sortir d'ici. Oh, le capitaine couteau à pain. Il fait peur, lui. Oh. Première fois que je vois l'attraction aussi. Où sont les gens? Où sont les gens? Où sont les bateaux? Ils ont coulé? T'as quelqu'un? Il y a quelqu'un qui tape deux fois. Non, y a personne. Merde. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière ces murs? Eh oh les pirates! On a des sous. Attaquez-nous! Non, pardon. Oui, non. Attaquez-le, oui, mais... Non, pas moi, j'ai rien fait. Mais ils vont nous attendre à la gare, en fait. C'est ça? Ah c'est non, j'entends des voix. Ah, zut. Oh, merde. Non, Marc, non. Attends. Eh ben, dites donc, il y a pas grand monde, hein. Non, ralentis pas, faut que la... Alors, c'est une hécatombe. Ce n'est pas du tout allumé. Du tout, bon, sauf ici, mais bon, ça c'est l'éclairage, on va dire, de mais service quoi. Enfin, le DLH, c'est ça. Le DLH, c'est tout est un tout est là, plus de lumière. Non, aujourd'hui, le DLH n'accueille personne. Ouais. Désolé. Et il n'y avait pas assez de feu à Dreams aussi. Oui, mais ça, c'est à cause du vent. Et sûrement.
c'est jeter le feu sur le passage d'Aladin qui met le feu sur le château. Et ben voilà, tous les feux en hauteur, ouais. Près des tours. Bon, ça marchait pas, donc ça manquait de feu. Et le feu marchait au moins sur les côtés à la fin. Ah, parce que Dream sans feu, c'est... C'est n'importe quoi. C'est une Renault qui ne tombe pas en panne, quoi. C'est... Je t'ennuie, ma Renault marche très bien. Elle n'est jamais tombée en panne. Non, je t'ennuie. Je t'ennuie. C'est pour être plus poli, quand même, pour pas dire autre chose. Ah, c'est vrai que tu as des jeunes abonnés. Oui, bon, ça, après, ça veut rien dire. Hein. Parce que malheureusement, les jeunes utilisent plus de gros mots que moi, parfois. Voilà, la jeunesse, la jeunesse. Ah, mais donc voilà, une petite après-midi, mais quand même, on a fait pas mal de trucs. Elle était assez chargée. On a fait 3 BTM en même pas 2 heures. Surtout fait de rock. Proche, ah non, mais rock, ça. Un buzz. Et un buzz. J'ai eu du mal à démarrer. Il voulait pas, non ouais. Les capteurs se déplacent tout seuls. Et voilà. Un POTC. Les studios sont fermés. Et un POTC. Voilà. C'est le programme. Avec des gens qui ne tournent pas. Demain, on retourne à Disney, mais la journée. Eh oui, mais ça ne sera pas filmé. Non. Et donc, ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Quand, on ne sait pas encore, mais il y en aura une. Hein. Avant la réouverture du PA, quand même. Oui, je pense. Je pense qu'il y en aura au moins quelques-unes avant la réouverture des parcs. Bon, je vais revenir à Disney. Voilà. Donc, à plus.